Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, il sera question de corriger des problèmes posés au concours Kangourou 2018 sur le sujet S. Alors, voici les questions. Facile. 1. Quel calcul donne le plus petit résultat? Réponse A. 2 plus 0 plus 1 plus 8. Réponse B, 2 plus 0 fois 1 plus 8. Réponse C, 2 plus 0 plus 1 fois 8. Réponse D, 2 fois 0 plus 1 fois 8. Réponse E, 2 fois 0 plus 1 plus 8. 2. Le dessin montre un certain mois d'un ancien calendrier dont il ne reste qu'un petit bout déchiré. Quel jour était-on le 28 de ce mois? Réponse A, lundi. Réponse B, mardi. Réponse C, jeudi. Réponse D, samedi. Réponse E, dimanche. 3. La figure représente le rez-de-chaussée de la maison de Léa. Léa entre dans sa maison par le porche et passe par toutes les portes, une seule fois par chaque porte. Dans quelle pièce se retrouvera-t-elle? Réponse A, A. Réponse B, B. Réponse C, C. Réponse D, D. Réponse E, E. 4. Thor a 7 pierres et un marteau. Dès qu'il frappe une pierre avec son marteau, la pierre se casse en 5 pierres plus petites. Lequel des nombres suivants peut être le nombre de pierres après plusieurs frappes de Thor? Réponse A, 17. Réponse B, 20. Réponse C, 21. Réponse D, 23. Réponse E, 25. 5. La forme ci-contre est composée de 12 cubes collés ensemble. Elle est plongée dans un pot de peinture. Sa surface sera entièrement peinte. Combien de cubes auront exactement 4 faces peintes? Réponse A, 4. Réponse B, 5. Réponse C, 6. Réponse D, 7. Réponse E, 8. 6. Lucie a un sac de 65 bonbons. 8 bonbons au citron, les autres à la menthe. Elle sort les bonbons au hasard par poignée de 5. Combien de poignées au moins doit-elle sortir du sac pour être sûre d'avoir un bonbon au citron? Réponse A, 2. Réponse B, 3. Réponse C, 11. Réponse D, 12. Réponse E, 13. 7. Les deux affirmations suivantes sont vraies. Certains dagobiens sont verts, les autres sont violets. Les dagobiens verts ne vivent que sur Mars. Laquelle des propositions suivantes s'ensuit logiquement? Réponse A. Tous les dagobiens vivent sur Mars. Réponse B. Seuls les dagobiens verts vivent sur Mars. Réponse C. Des dagobiens violets vivent sur Vénus. Réponse D. Tous les dagobiens violets vivent sur Vénus. Réponse E. Aucun dagobien vert ne vit sur Vénus. 8. Soit U, la suite définie par U1 est égale à 2 puissance 2020 et UN plus 1 est égale à 1 demi UN. Combien vaut U2018? Réponse A, 2. Réponse B, 4. Réponse C, 6. Réponse D, 8. Réponse E, 16. Alors, quel calcul donne le plus petit résultat? Donc, on fait les calculs. Là, c'est A. 2 plus 0 plus 1 plus 8. 2 plus 0, 2 plus 1, 3 plus 8. 11. B. 2 plus 0 fois 1 plus 8. 0 fois 1, 0. 2 plus 8, 10. C. 2 plus 0 plus 1 fois 8. Donc là, ça fait 8. 8 plus 2, 10. D. 2 fois 0 plus 1 fois 8. 2 fois 0, 0. 1 fois 8, 8. E, 2 fois 0, plus 1, plus 8. Plus 1, plus 8. On va avoir ici 2 fois 0, 0, plus 1, plus 8, 9. Donc c'est la réponse D. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mercredi on était le 3, samedi on était 4. Lundi on était 1, mardi 2, 3, 4. Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7, lundi 8. Et on remarque qu'on a donc plus 7 à chaque fois. Donc là on a plus 7, 8 plus 7, 15, 15 plus 7, 22, et donc 22 plus 7, 29. On veut le 28 de ce mois, et bien le 28, on était
dimanche. On peut remarquer, donc ici, mardi 23, mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28. Donc ici, réponse E. Alors ici, on entre par le porche. Donc, on va vers E, A, B, C, D, et on revient vers B. Alors si on peut faire le chemin comme ceci, mais on revient tout le temps vers B. Donc ici, dans quelle pièce Léa se retrouve-t-elle? Eh bien, c'est la réponse B. Tors à cette pierre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. S'il en frappe une, il y en aura 5 qui vont se créer. Donc ici, on va supprimer une pierre, mais on en rajoute 5. Donc au total, on va en rajouter 4. Donc si on en supprime une, on en trouve 5, donc on rajoute 4. Donc c'est les nombres entiers positifs qui s'écrivent de la forme 4k plus 7, avec k entier positif. Alors k égale à 0, on aura 7. K égale à 1, 11. K égale à 2, on aura 15. K est égal à 3, 19. K est égal à 4, 23. Donc ici, entre 17, 20, 21, 23 et 25, eh bien, c'est 23, réponse D. Alors ici, on plonge cette forme dans de la peinture. On remarque que les faces qui sont collées ne seront pas peintes. Donc ici, là, il y a une face collée. Donc ici, il y a 6 faces dans un cube. Donc, il y a 5 faces peintes, ici aussi. 2 faces collées, donc là, il y aura 4 faces peintes. Ici, 1, 2, 3 faces collées, donc 3 faces peintes. 4, 5. Ici, il y a 2 faces collées, donc 4 et 4. Combien de cubes auront exactement 4 faces peintes? Donc là, il y en a 6. Donc, ça va être la réponse C. Alors, Lucie a 65 bonbons, 8 bonbons au citron. Donc, on en veut au moins un dans la main. Combien de poignées au moins doit-elle sortir pour en avoir sûr d'avoir un bonbon au citron? Donc, 65 moins 7. Donc, pour avoir au moins un bonbon au citron, on retire un bonbon dans le lot de 8. Et on en retire à tous, on retire 7. 65 moins 7, ça nous fait 58. Donc, 58 bonbons. Donc ici, on en prend par poignée de 5, donc on va diviser par 5. Ça nous fait 5 fois 11, 55, donc il restait 3. Donc à la 12e poignée, on aura au moins un bonbon au citron. Donc ici, réponse D. Alors, on a deux types de dagobiens. Dagobiens verts et les dagobiens violets. On sait que les dagobiens verts ne vivent que sur Mars. Donc là, ils vivent que sur Mars. Alors, tous les dagobiens vivent sur Mars. Non, pas forcément. Ils peuvent vivre sur Vénus. Seuls les dagobiens verts vivent sur Mars. Non, il y a des dagobiens violets qui peuvent vivre sur Mars. Des dagobiens violets vivent sur Vénus. Oui, il y a aussi des dagobiens violets qui vivent sur Mars. Tous les dagobiens violets vivent sur Vénus. Alors là, non. Il y a des dagobiens violets qui peuvent vivre sur Mars. Aucun dagobien vert ne vit sur Vénus. Donc là, oui, parce que les dagobiens verts ne vivent que sur Mars. Donc ici, réponse E. Alors pour ce qui est en fait des dagobiens violets vivant sur Vénus, on ne sait pas, d'après ce qu'on vient de nous dire, on ne sait pas s'il y a des dagobiens violets qui vivent sur Vénus. Donc, la réponse sûre, ici, c'est on est sûr qu'aucun dagobien vert ne vit sur Vénus. Alors, soit U, la suite définie par U1 est égal à 2 puissance 2020, et UN plus 1 est égal à 1 demi UN. Et ça, c'est une suite géométrique, de raison 1 demi, de premier terme, U1
égal à 2 puissance 2020. Ainsi, UN s'écrit de la forme U1 Q puissance N moins 1. Parce que là, on commence par 1. Donc U1 est égal à U1 fois 1. Et pour avoir une puissance qui est égale à 1, donc Q puissance 0. Donc 1 moins 1, 0. Donc UN est égal à U1 Q puissance N moins 1. U 2018, eh bien c'est U1, donc c'est 2 puissance 2020, fois 1 demi puissance 2017. 2 puissance 2020 sur 2 puissance 2017. Eh bien, il va y avoir donc 2 puissance 3. 2 puissance 3 est égal à 8. Donc, c'est la réponse D. On passe maintenant aux questions moyennes. 9. Les faces d'une brique rectangulaire ont des aires égales à S, T et U, voire figure. Quel est le volume de la brique ? Réponse A, S, T, U. Réponse B, racine de S, T, U. Réponse C, racine de ST plus TU plus US. Réponse D, racine cubique de STU. Réponse E, 2 fois S plus T plus U. 10. De combien de manières l'entier 1001 peut-il être écrit comme somme de deux nombres premiers ? Réponse A, aucune. Réponse B, 1. Réponse C, 2. Réponse D, 3. Réponse E, 4. 11. Deux cubes de volume V et W ont une partie de commune. La partie du cube de volume V, qui n'est pas commune aux deux cubes, a son volume égal à 90% de V. La partie du cube de volume W, qui n'est pas commune aux deux cubes, a son volume égal à 85% de W. Quelle est la relation entre V et W ? Réponse A, V est égal à 2 tiers de W. Réponse B, V est égal à 3 demi de W. Réponse C, V est égal à 17 18e de W. Réponse D, V est égal à 18 17e de W. Réponse E, V est égal à W. 12. Combien vaut valeur absolue de 5 moins racine de 17 plus la valeur absolue de 4 moins racine de 17 ? Réponse A, 9 moins 2 racine de 17. Réponse B, 2 racine de 17 moins 9. Réponse C, 9 moins racine de 17. Réponse D, 9. Réponse E, 1. 13. Un vase est rempli d'eau jusqu'en haut à débit constant. Le graphe montre la hauteur de l'eau en fonction du temps. Laquelle de ces formes peut-elle être celle du vase ? 14. Un octaèdre est inscrit dans un cube de côté 1. Les sommets de l'octaèdre sont les centres des faces du cube. Quel est le volume de l'octaèdre ? Réponse A, 1 tiers. Réponse B, 1 quart. Réponse C, 1 cinquième. Réponse D, 1 sixième. Réponse E, 1 huitième. 15. Victor a un dé normal. Les faces portent les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Wafik a un dé dont les faces sont numérotées 1, 1, 3, 3, 5 et 5. Ils lancent chacun leur dé. Quelle est la probabilité que Victor obtienne un nombre strictement plus grand que Wafik ? Réponse A, 1 demi. Réponse B, 2 tiers. Réponse C, 5 neuvième. Réponse D, 7 douzième. Réponse E, 19 36e. 16. Les faces du prisme représentées sont 2 triangles et 3 carrés. Les 6 sommets sont numérotés de 1 à 6, tels que la somme des 4 sommets de chaque carré est le même pour les 3 carrés. Quel nombre est inscrit sur le sommet marqué X ? Réponse A, 2. Réponse B, 3. Réponse C, 4. Réponse D, 6. Réponse E, la situation est impossible. Alors, on a les aires S, T, U, donc on va noter ici A, cette longueur-là. B, cette longueur-là. C, cette longueur-là. Donc on aura S est égal à A fois B. T est égal à B fois C. Et U est égal à A fois C. Donc le volume de la brique, c'est A fois B fois C. On a besoin d'exprimer A, B et C en fonction de S, T et U. A est égal à S sur B. B est égal à T sur C. Et C est égal à U sur A. Ainsi, le volume, c'est S sur B fois T sur C fois
U sur A. Mais B, donc là on aura STU sur ABC. Donc ABC est égal à STU sur ABC. C'est seulement si ABC au carré est égal à STU. Donc ici ABC est égal à racine carrée de STU. La réponse B. 1001, on peut l'écrire comme 1 plus 1000. 1 n'est pas un nombre premier, donc ça ne compte pas. 1001, c'est 2 plus 999. 2 est un nombre premier, mais 999 est divisible par 3. Donc cela ne convient pas. 1001, 3 plus 998. 3 est un nombre premier, mais 998 étant un nombre pair, ce n'est pas un nombre premier. Et ensuite, il faut remarquer que tous les nombres premiers supérieurs à strictement à 2 sont des nombres impairs. Donc, on aura impair. 1001 étant un nombre impair, il faut obligatoirement que le deuxième terme de la somme soit un nombre pair. Mais un nombre pair n'est pas un nombre premier. Pas premier. Donc, cela ne convient pas. Donc, la réponse A. V est égal à K fois W. K est égal à la proportion de volume qui n'est pas commun aux deux. Donc, volume de V non commun aux deux. Ça fait 90 sur 100. Plus la partie du cube de volume W qui n'est pas commune aux deux cubes. Donc, c'est 85%. Moins, il faut retirer les parties communes, 10 sur 100, moins 15 sur 100. 90 sur 100 moins 10 sur 100, eh bien ça fait 80 sur 100. 85 sur 100 moins 15 sur 100, ça fait 70 sur 100. Donc ici 150 sur 100, et si on simplifie, on va trouver 3 demi. Donc ici, réponse B. Alors 12, racine de 17 est compris entre 4 et 5. Donc ça veut dire que 5 moins racine de 17, positif. Donc la valeur absolue de 5 moins racine de 17, eh bien c'est égal à 5 moins racine de 17. 4 moins racine de 17, négatif. Donc ici, la valeur absolue de 4 moins racine de 17, c'est l'opposé de cette quantité. Donc moins racine de 17, donc racine de 17, moins 4. Ainsi, combien vaut la valeur absolue de 5 moins racine de 17, plus la valeur absolue de 4, moins racine de 17. 5 moins racine de 17, plus racine de 17, moins 4. Moins racine de 17, plus racine de 17, ça disparaît. 5 moins 4, c'est égal à 1. Donc réponse, E. Alors ici, il faut voir la vitesse de remplissage, donc par les pentes des tangentes à la courbe. Donc ici on voit que la pente de la tangente est verticale. Donc ça veut dire que le fond est réduit à un point. Trois vases qui correspondent, c'est C, D et E. Donc A ne correspond pas, B ne correspond pas. Et vous voyez que les pentes de tangente ici vont tendre vers 0. Donc ça veut dire que les bords du vase vont s'élargir de plus en plus. Or ici, on a des bords, l'évolution des bords ici est constante, donc ce n'est pas C. Et ici, on voit que ça va se rétrécir de plus en plus, c'est une sphère. Donc ce n'est pas E, ça va être la réponse D. Alors ici, on va considérer, donc on va couper l'octaèdre en deux en fait, on aura deux pyramides. Donc le volume de l'octaèdre, c'est deux fois le volume de la pyramide que je viens de surligner en bleu. Or, si on fait, donc on va faire une section pour avoir le carré de base. Le carré de base, il va être comme ceci. Si on a des milieux, 1/2, 1/2. Donc ici, par le théorème de Pythagore, on obtient racine de 2 sur 2. On aura 2 fois base fois hauteur divisé par 3,
2 fois, donc l'aire de la base, c'est racine de 2 fois racine de 2, donc 1 demi. La hauteur, ici, eh bien, ça va être 1 demi. C'est 1 demi du côté du cube. 1 demi fois 1 demi sur 3. 2 fois 1 demi, 1. 1 demi sur 3, eh bien, c'est 1 sixième. Donc ici, réponse D. Alors, jeu de D. Entre Victor et Wafik. Donc Wafik a les faces 1, 1, 3, 3, 5, 5. Victor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour gagner, Victor doit avoir un nombre strictement plus grand que Wafik. Donc on va noter V si Victor gagne et W si Wafik gagne. Si 1 n'est pas strictement plus grand que 1, donc ici on aura Wafik qui va gagner. Wafik, 3 supérieur à 1, donc ici Wafik, 5 supérieur à 1, Wafik. Ensuite, 2 supérieur à strictement à 1. Donc là, il y en aura Victor qui va gagner, mais quand ce sera 3, et au-dessus, c'est Wafik qui gagne. 3, c'est supérieur à 1, ici Victor qui va gagner, et quand ça va dépasser 3, c'est Wafik qui gagne. 4, supérieur à 1 et 3, donc Victor va gagner jusqu'à 5, et Wafik va gagner quand il fera 5. Même chose, ici Victor, Wafik gagnera quand il fera 5. Ici Victor va gagner toutes les parties parce que si c'est strictement supérieur à 5, strictement supérieur à 3, strictement supérieur à 1. Alors ici, pour avoir la probabilité, on compte le nombre de fois que Victor gagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sur 36 parties possibles. Donc ici, c'est égal à 1 demi. Réponse A. Alors ici, on peut représenter les phases. Donc là, on aura 5x. On aurait 1. Donc on veut que la somme des 4 ici, donc cette somme-là, somme des 4 points ici, est égale à la somme des 4 ici. Alors, mais on va remarquer que on a des nombres entre 1 et 6. Et si on fait 6 plus 1, on va obtenir 7. 5 plus 2, on va obtenir 7. 3 plus 4 égale à 7. Donc ici, pour avoir une somme égale, donc on peut avoir, donc chaque arrêt doit avoir somme. Donc somme ici. 7. Donc ici, pour avoir un le sommet opposé doit avoir un 6. Un 5, le sommet opposé c'est 2. Ici, on peut faire 3 et 4. Donc là c'est 1, 6. Si bien que là on aura 6 plus 3 plus 4 plus 1, ça va faire 14. 3 plus 5, 8, plus 4 plus 6, 14. 5 plus 6, plus 1 plus 2, 14. Donc ici, quel nombre est écrit sur le sommet marqué X? C'est la réponse A. Allez, on passe maintenant aux questions difficiles. 17. Lequel de ces 5 nombres ne divise pas 18 puissance 2017 plus 18 puissance 2018? Réponse A, 8. Réponse B, 18. Réponse C, 28. Réponse D, 38. Réponse E, 48. 18. Un pentagone régulier a été découpé dans un papier. 18. Un pentagone régulier a été découpé dans du papier à ligne. On fait tourner le pentagone autour de son centre, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, de 21 degrés en 21 degrés. Le dessin ci-contre montre la situation après le premier mouvement. Que verra-t-on quand le pentagone se superposera de nouveau au trou pour la première fois? 19. Dans le jardin du grand kangourou, le palmier, le figuier et le manguier sont à 50 mètres de l'olivier. Il y a 100 mètres entre le palmier et le manguier, et 60 mètres entre le palmier et le figuier. Quelle est la distance entre le manguier et le figuier? Réponse A, 50 mètres. Réponse B, 60 mètres. Réponse C, 75 mètres. Réponse D, 80 mètres. Réponse E, il est impossible de le savoir sans davantage d'informations. 20. M et N sont les racines de l'équation x² moins x moins 2018 égale à 0. Combien vaut n² plus m?
Réponse A, 2016. Réponse B, 2017. Réponse C, 2018. Réponse D, 2019. Réponse E, 2020. 21. Marion a pris 3 des cartes ci-contre et Nadia a pris les 2 autres. Chacun multiplie les valeurs de ses cartes et en ajoutant les 2 produits, elle trouve un nombre premier. Quelle est la somme des valeurs des 3 cartes de Marion ? Réponse A, 12. Réponse B, 13. Réponse C, 15. Réponse D, 17. Réponse E, 18. 22. 4 kangourous ont des tailles différentes. A dit « Je ne suis ni le plus grand, ni le plus petit. » B dit « Je ne suis pas le plus petit. » C dit « Je suis le plus grand. » D dit « Je suis le plus petit. » 1 a menti et les 3 autres ont dit la vérité. Qui est le plus grand ? Réponse A, A. Réponse B, B. Réponse C, C. Réponse D, D. Réponse E, pour le savoir, il faut plus d'informations. 23. Une fonction f de x est égale à x carré plus px plus q, où p et q sont des nombres réels non nuls, est telle que sa représentation graphique, en 3 points, les axes du repère orthonormé. Le cercle passant par ces 3 points coupe la représentation graphique de f en un quatrième point. Quelles sont les coordonnées de ce quatrième point ? Réponse A, 0, moins Q. Réponse B, P, Q. Réponse C, moins P, Q. Réponse D, moins Q sur P, Q au carré sur P au carré. Réponse E, 1, P plus Q plus 1. 24. Dans un parc, il y a 100 kangourous, 45 mâles et 55 femelles. Quelle est la probabilité d'avoir une femelle et un mâle en choisissant au hasard 2 kangourous dans ce parc ? Réponse A, 1/2. Réponse B, 1/4. Réponse C, 3/5. Réponse D, 9/20. Réponse E, 11/20. Alors, lequel de ces 5 nombres ne divise pas 18 puissance 2017 plus 18 puissance 2018 ? Et là, il faut remarquer que 18, c'est 18 puissance 2018, eh bien c'est 18 fois 18 puissance 2017. Si bien que, ici on va pouvoir factoriser par 18 puissance 2017. Ici on aura 1 plus 18. Et donc, 19 fois 18 puissance 2017. Ou encore, 19 fois 2 fois 9 puissance 2017. Donc il y aura 2017 termes en 2 et 2017 termes de 9 dans cette multiplication. Alors, maintenant, lequel de ces 5 nombres ne divise pas 18 puissance 2017 plus 18 puissance 2018 ? Eh bien, 8 c'est égal à 2 fois 2 fois 2, donc 2 puissance 3. Or, on retrouve 2 puissance 3 dans cette décomposition. Ce n'est pas 8. B, 18, eh bien, c'est 2 fois 9, donc on le retrouve ici. Donc ce n'est pas 18. 38, c'est 19 fois 2. Donc là, on a un terme de 19 et on a un terme de 2. Ce n'est pas... ça divise. 48. Alors 48, c'est 2 puissance 4 fois 3. Or ici, dans 2 fois 9, eh bien, on a un facteur de 3. Donc 2 fois 3 fois 3. Donc ici, ça, 48 divise. Et donc, la réponse est... c'est 28, parce que 28, c'est 7 fois 4. Il n'y a pas de facteur de 7 dans la décomposition. Donc, réponse C. Alors, faisons pentagone. Donc, on a l'angle, cet angle-là, est égal à 108 degrés. Et cet angle-là est égal à 72 degrés. Donc si on tourne de 21 degrés le pentagone, eh bien on va avoir ici 21, 21, 21. Donc ici en fait il faut diviser 108. On va diviser 108 par 21. 108 c'est 49 fois 3 sur 7 fois 3. Donc ceci simplifie. 49 c'est 7 fois 7, donc il va rester 7. Donc il faut 7 tours pour que le pentagone revienne à sa position initiale. Or ici,
7 tours, ça correspond à 7 fois 21 degrés. 7 fois 21 degrés, ça fait 147. Maintenant, on regarde l'angle ici. Ici, donc ici, on a plutôt 120 degrés. Ici, ce sont des angles aigus, donc ça ne correspond pas. Là, on a 120 degrés. Ici, ça peut correspondre. B et E, c'est un angle plat, donc ça ne correspond pas. Donc, c'est la réponse B. Alors, dans le jardin du grand kangourou, le palmier, le figuier, le manguier sont à 50 mètres de l'olivier. Donc, ici, si on note O, l'olivier, la position de l'olivier, M, manguier, F, figuier et P, palmier, on remarque que P, F et M appartiennent, si P, F et M appartiennent à un cercle de centre O et de rayon 50 mètres. Il y a 100 mètres entre le palmier et le manguier. Donc ici on aura 50 et ici on aura 50. Donc P, O et M appartiennent au même segment. P, O et M sont alignés. Donc ici C, cercle de centre O de rayon 50 mètres. PM, diamètre de C, et F appartient à C. Donc ici, PFM est un triangle rectangle en F. On sait que le palmier et le figuier est à 60 mètres. 60 mètres. Bien entendu, les distances ne sont pas respectées. FM, donc c'est ce qu'on veut calculer. Et bien là, on a un triangle rectangle. 160. Si FM au carré est égal à PM au carré moins PF au carré. 100 au carré moins 60 au carré. Donc ça fait 10 000 moins 3600. On va trouver 6400. Et donc FM est égal à racine carrée de 6400, ce qui est égal à 80. 80 mètres. Donc ici, réponse D, x carré moins x moins 2018 égale à 0. Donc ici, delta b carré moins 1 carré moins 4 fois 1 fois moins 2018. 1 plus 4 fois 2018, 8072. Donc ici, donc c'est égal à 8073. Donc delta positif, racine carrée delta, c'est égal à racine carrée de 8073. M et n sont les racines de l'équation. Donc ici, m est égal à moins b1 moins racine carrée de 8073 sur 2a, 2, et n est égal à 1 plus racine de 8073 sur 2. On va calculer n au carré plus m. N au carré 1 plus racine de 8073 sur 2 au carré. Plus 1 moins racine de 8073 sur 2. Donc ici, sur 4. Donc on va mettre tout sur 4. Donc ici, 1 plus 2 racine de 8073 plus 8073. Et ici, là, il faut multiplier par 2. Donc, plus 2 moins 2 fois racine carrée de 8073. Ici, on va obtenir, donc ici, les racines vont disparaître. 8073 plus 3 sur 4. Donc, 8076 sur 4. C'est égal à 2019. Donc ici, réponse D. Alors, complément, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi on a choisi m, la racine avec le moins au centre, et n, la racine le plus au centre? Alors, mais si on fait une échange, vous voyez là, on aura 1 moins racine carrée de 8073 au carré sur 2, 1 plus racine carrée de 8513 sur 2. Et là, on aurait 1 moins 2 racine carrée de 8073
8513, plus 8073, plus 2, plus 2, racine carrée de 8073. Donc, en fait, on a échangé les deux positions. Donc, cela change en rien au résultat final. C'est bien 2019. Alors, on va distinguer pair et les cartes impaires. Pair 4, 6, impair 3, 5 et 7. Alors, on va pouvoir faire les différents cas. Donc, Marion peut prendre 3 cartes. Donc, elle peut prendre 0 pair, 3 impair, 1 pair, 2 impair, et 2 pair, 1 impair. Alors, le produit, ici, on va voir impair. Donc là, le produit de Marion. Et le produit de Nadia. Donc ici, elle va obtenir pair. Marion, si elle prend 2 impairs et pair, ça va obtenir pair. Mais Nadia va obtenir aussi pair, parce qu'elle aura une carte, elle aura une carte pair. Et là, Marion, 2 pairs fois un pair, c'est pair. Et un pair. Donc, ici, si on fait la somme, pair plus pair, c'est un nombre pair, donc ça n'ira pas. Ici, 3 impair, Nadia va avoir 24, plus 3 fois 5, 15, 15 fois 7, 15 fois 7, 105, 24 plus 105, ça fait 9, ça fait 129. Et 129 est divisible par 3, 0 paire, 3 impair, disparaît. Donc il va rester 2 paires, 1 impair. Donc ici, on aura 4, donc 24 fois 3, plus 5 fois 7, 24 fois 5, plus 3 fois 7, et 24 fois 7, plus 3 fois 5. Donc là, on aurait 15. On peut remarquer que ici, 24, c'est un type de 3. Donc ici, on peut éliminer ces deux cas. Ça va avoir divisé par 3. Donc ici, 24 fois 3 plus 5 fois 7. Donc la somme des valeurs des 3 cartes de Marion, c'est 6 plus 4 plus 3. Donc ça va être 13. Donc réponse B. Alors 22. Donc on va voir les menteurs potentiels. Donc si menteur c'est A, je suis ni le plus grand ni le plus petit. Donc il est soit le plus petit, A est soit le plus petit, soit le plus grand. Donc C va dire que il est le plus grand, mais là il y a une contradiction. Donc la contradiction. Et D dit je suis le plus petit. Donc la contradiction aussi. Donc ça ne peut pas être A. B, je ne suis pas le plus petit. Donc on sait que C et D. Donc D est le plus petit, C est le plus grand. Je ne suis pas le plus petit, donc il ment, donc il est le plus petit. Donc là, c'est contradictoire. Et donc, si B ment, il y a contradiction avec D. Donc ce n'est pas B. D, je suis le plus petit, donc c'est pas le plus grand. Donc là, on a trois cas à décider. Donc D, je suis le plus petit, donc je ne suis pas le plus petit. Donc D peut être là, D, D. B dit je ne suis pas le plus petit, C dit qu'il est le plus grand, je suis ni le plus petit, le plus grand ni le plus petit. Donc là il va y avoir contradiction, il n'y aura pas de plus petit. Donc entre A et B. Entre A et B il n'y aura pas de plus petit. Donc D ne peut pas mentir. Donc c'est C qui va mentir. C je suis le plus grand. Donc C peut être là. C peut être là, C peut être là. D, je suis le plus petit, donc D, pas. B, je ne suis pas le plus petit. Et A, je ne suis ni le plus grand, ni le plus petit, donc A est là. Et ici, B, et qui n'est pas le plus petit, ben C se retrouve le plus grand. Donc, quel est le plus grand? C'est B. Donc on a une fonction, f de x est égal à x carré plus p, x plus q, qui coupe les axes d'un repère orthonormé en trois points. Et donc, on aura un cercle qui passe par ces trois points, et on va donc déterminer les coordonnées du quatrième point qui
appartient à la représentation graphique et en même temps au cercle. Alors, on va faire un petit exemple sur GeoGebra. Donc, par exemple, si on prend x au carré plus 3x plus 1, eh bien, on aura trois points d'intersection et celui-ci. On va tracer le cercle qui passe par A, B et C. Voilà, le quatrième point d'intersection entre le cercle et la parabole. On voici donc la figure. Alors, d'abord, on peut déterminer le coordonnée du point C. Donc c'est 0 et f de 0, eh bien si on fait x est égal à 0, ça fait 0 plus p fois 0, 0 plus q, donc 0, q. Ensuite, on peut voir les coordonnées des points A et B comme la résolution de l'équation f de x est égal à 0. F de x est égal à 0. Donc on va déterminer les abscisses des deux points A et B. On a x au carré plus px plus q égale à 0. X au carré plus px plus q est égal à 0. Delta, c'est p au carré moins 4q. Or, on sait que la représentation graphique coupe en 3 points les axes du repère orthonormé. Donc ici, delta positif, on va pouvoir prendre la racine carrée. Donc racine carrée de p carré moins 4q. Et donc, x1, ça va être moins p. Donc, moins p. Moins racine carrée de p au carré moins 4q sur donc 2. Et x2 moins p plus racine carrée de p au carré moins 4q sur 2. Bien maintenant, on peut déterminer l'axe de symétrie, donc l'axe de symétrie de la parabole, en faisant x1 plus x2 sur 2. Donc en fait, l'axe de symétrie de la parabole, c'est d'équation x est égal à x1 plus x2 sur 2. Donc ici, x est égal à moins p sur, donc moins p moins racine carrée de p carré moins 4q sur 2, plus moins p plus racine carrée de p carré moins 4q sur 2. Or ici, moins plus, ça va disparaître, donc il va nous rester moins p sur 2, plus moins p sur 2, sur 2. Donc ici, moins p sur 2 plus moins p sur 2, 2, ça fait moins p. Donc ici, la moyenne, ça va être moins p sur 2. Donc ici, ça va être... Donc ici, on va avoir moins p sur 2. Ici, on a un axe de symétrie. Ça va être aussi l'axe de symétrie... donc ici, l'axe de symétrie du cercle. Parce que ici, A, c'est AB médiatrice. Donc c'est l'axe de symétrie, c'est la médiatrice de AB. Et comme A et B appartiennent au cercle, c'est aussi un axe de symétrie du cercle. Donc ici, on va tracer l'axe de symétrie. Voilà. Et donc, la symétrique du point, donc symétrique du point C par rapport à l'axe, donc ici, eh bien, ça va être le point D. Donc c'est l'axe de symétrie du cercle et l'axe de symétrie du parabole. Donc D appartient bien à la parabole et au cercle. D aura pour coordonnée, donc l'ordonnée, ça va être l'ordonnée de C, Q. Et donc ici, si on résout f de x est égal à Q, donc c'est x au carré plus px plus Q égale à Q, donc ça va disparaître, donc il va rester x carré plus px est égal à 0, on factorise par x, x plus p égale à 0, et donc, ici, deux solutions. X est égal à 0. Donc là, ça va être C. On avait C, 0, Q. Et X est égal à moins P. Donc ici, on aura moins P. Donc D, moins P, Q. Donc ici, réponse C. Alors ici, dans un parc, il y a 100 kangourous, 45 mâles et 55 femelles. Donc ici, on peut traduire ça comme, donc, on a une urne avec des boules bleues. Donc 45 boules bleues, voilà, on en a 45 ici, et 55 boules rouges. On en prend une, on regarde la couleur, on la laisse en dehors de l'urne, et on en prend une autre. On appelle ça un tirage sans remise. Et donc ici, pour avoir cette probabilité-là, en fait, on peut construire l'arbre pondéré. Donc ici, le premier tirage, c'est soit un mâle, soit une femelle.
mâle, femelle, mâle, femelle. Donc ici, premier tirage, deuxième tirage. Donc ici, on a une probabilité de 45 sur 100. Et ici, une probabilité de 55 sur 100. Ici, il ne reste plus que 99 kangourous. On a retiré un mâle, donc ici 44 sur 99. Ici, 55 sur 99. Ici, on a retiré un kangourou, donc 45 sur 99 et 54 sur 99. On calcule donc la probabilité M inter F plus probabilité de F inter M. Eh bien, c'est 45 sur 100 fois 55 sur 99 plus 55 sur 100 fois 45 sur 99. Ici, on remarque que c'est deux fois la même chose, donc deux fois 45 fois 55 sur 100 fois 99. On décompose 2 fois 9 fois 5 fois 5 fois 11 sur 2 fois 5 fois 2 fois 5, 100 c'est 10 fois 10, fois 99, donc 9 fois 11. On peut barrer les facteurs communs, 2, 9, 5, 5 et 11. Et nous reste 1 demi. Donc la réponse ici, ça va être 1 demi, donc c'est réponse A. Alors en bonus, on va faire la question 25. Deux polygones réguliers de 3n et 3n plus 41 côtés ont ensemble 2018 diagonales. Combien vaut n? Donc par exemple pour un pentagone, si on sélectionne un sommet, eh bien on ne peut pas sélectionner ce sommet-là pour une diagonale, ni celui-là. Donc ici on a n moins 3 choix. Comme il y a n sommets, donc là c'est pour n quelconque, là on va voir n est égal à 5. Donc là on a 2 choix, donc 5 moins 3. Comme on a 5 choix pour le sommet, donc fois n, mais ici cette diagonale-là, elle compte pour ce sommet et ce sommet-là, donc on va devoir diviser par 2. Donc le nombre de diagonales dans un polygone convexe de n sommets, donc n côtés, eh bien c'est n-3 fois n sur 2. Donc ici, la somme 3n-3 fois 3n fois 3n sur 2, plus 3n plus 41... Donc 3n plus 41, 3n plus 38 sur 2 est égal à 2018. Ici c'est égal à 4000 qu'on multiplie par 2 en fait, 4036, 3n, 3n moins 3, plus 3n plus 41, 3n plus 38. Si on développe, on va trouver 9n au carré, moins 9n au carré moins 9n, plus 9n au carré, 41 fois 3n, ce qui va nous donner 123n, plus 114n, donc 38 fois 3n, plus 1588, égal à 4036. Donc là on aura 18n au carré, donc ici 114 plus 123 moins 9, ça fait 114, 114 plus 114, ça fait 228n, 4036, donc moins 4036 plus 1584, donc ici on va avoir moins 2478 égale à 0. On va résoudre cette équation, donc delta, 228 au carré, moins 4 fois 18, fois moins 2478. Donc ici on va trouver 51984. 178 416, donc au total 230 400. C'est positif, donc on va pouvoir prendre la racine carrée. Racine carrée delta, c'est racine carrée de 230 400, qui est égal à 480. On va prendre la solution positive, parce que là on aurait moins 228 moins 480, mais comme le nombre de côtés étant positif, n est positif, on va prendre juste la solution positive. Donc ici, moins 228 plus 480 sur 30.
36. Donc 2 fois 10, on va trouver 252 sur 36 donne 7. Donc n ici vaut 7.